vas appeler. C'est toi, tu dis tu vas appeler, maintenant appelle au restaurant avec eux, c'est bon, on va pas parler. I can get you. J'ai dit call the police. You say you can. Please go out of my house. Mais call the police. On en finit avec eux, c'est bon. Comme ça, c'est un peu mieux parce que c'était très sombre tout à l'heure. Ah, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Je vais vous parler en même temps. Je vais mettre mes chaussettes. Ah, vous allez tous et toutes très bien. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas vlogué. Wesh! Franchement, bah, depuis Abidjan, j'ai pas vlogué. Là, du coup, on reprend les vlogs, les weekly vlogs, les vlogs de l'école parce que oui, j'ai repris l'école. Ceux qui me suivent sur YouTube, vous êtes très en retard. Donc commencez à me suivre sur Instagram ou sur Snap. Mais, ou sur Snap pour vraiment être bah, à l'affût quoi et pas être en retard quand je poste mes vlogs du coup. Là, aujourd'hui, c'est journée maintenant, ok? Donc je vais aller faire mes ongles, mes cils. J'ai décidé... Attendez, je finis d'abord de mettre mes chaussures. J'ai décidé d'être plus féminine, ok? Déjà... Je vous donne l'autorisation que si vous me voyez comme une schlag, c'est-à-dire avec mes gros bobos, mes gros nignons là, comment on appelle ça, mes, les bonnets en satin là, si vous me voyez que je suis en train de vlogger et que je suis en train de sortir comme ça, on va mettre en place, vous allez mettre dans les commentaires cet emoji en mode méré, fais gaffe. Parce qu'en fait, c'est beau, fait, hey, je sors toujours comme une clocharde, genre... Je suis trop dans un mood, ouais, je m'en fous et tout. Mais non, Mary, on s'en fout pas. L'apparence, c'est très important. C'est très important de paraître soignée, etc. Parce que même si en soi, tu te laves et t'es propre, si tu sors comme une clochard, tu ressors une image de clochard. Même si tu te laves, t'as capté. Donc du coup, là, j'ai décidé de prendre plus soin de moi, être plus féminine, ne jamais sortir sans boucle d'oreille. Quand je sais que j'ai la flemme de m'habiller, voilà, je mets des petits ensembles comme ça. Ces petits ensembles qui... cet ensemble qui vient de chez PLT. Encore une fois, si vous me suivez sur Snap ou Insta, vous savez déjà l'amour que j'ai pour cet ensemble. J'ai pris en marron, en noir et en gris du coup. Non, en marron, en noir. Non, en marron, en marron, en gris et en vert. Et j'ai pris le bas noir parce qu'il n'y avait pas le haut. Et donc du coup j'aime bien, tu vois, c'est des ensembles faciles, pratiques. Si t'as la flemme de t'habiller, tu mets ça, ça fait tout de suite bien. Je vais mettre ça avec une petite veste grise comme ça. C'est la veste que Aurène elle a oublié ici. Elle vient de chez Zara, non, H&M celle-là, ok. Voilà, je vais mettre comme ceci. Vous voyez, j'ai la flemme de me coiffer. J'ai mis mon petit bandeau, ça fait moi propre, t'as capté. Et je vais venir prendre mon sac. Voilà, j'aime bien. J'aime beaucoup. Simple et efficace. Faut que je mette ma montre. Ça, je ne sors jamais sur ma montre. Faut que je pars et prendre ma montre Casio. Parce que ça, c'est vraiment ma montre bah, tu sais, pour les sorties ou quoi. Et ma montre Casio, elle est plus fine, plus petite pour la vie de tous les jours. Mais elle est cassée. Faut que je pars la réparer. Mais voilà, toujours petite montre. Après, j'ai toujours mes petits bracelets. Ça, ça ne change pas. Voilà. Là, on est propre. On est bien. Sans trop en faire. Voilà, parce que moi en fait, il faut vraiment que vous achetez des articles, enfin des articles, des vêtements stratégiques. Parce que je suis une personne, j'ai la flemme. Donc tout ce qui est coiffure, kakaki, kakaka, je sais que j'aurai la flemme. Donc Mary, sois stratégique. Achète des ensembles, achète des vêtements que tu sais que tu pourras porter facilement et rapidement. Parce que s'il faut commencer à réfléchir de mettre un jean avec un haut, etc., quand t'as la flemme et quand tu sais que c'est des sorties vite fait, this is not for me. Absolument pas. Alors on va aller faire ses ongles, aller faire ses cils. Comme j'ai dit, faut vraiment faire pendant un mois. Prenez un jour dans le mois où vous faites tout. Genre, une journée vraiment lourde en maintenance. Comme ça, vous savez que pendant les mois qui arrivent, vous êtes tranquille. Donc là, on va aller faire les ongles, les cils. Et let's go. J'aime bien mon teint. Heureusement, par la grâce de Dieu, parce que c'est une grâce, heureusement, j'ai un bon teint. Comme ça, je vais pas me maquiller. Parce que déjà, moi, les sortes de maquiller tous les jours. Je suis pas là-bas.
trips that you plan for the next whole week. That's too long for a nigga so cheap. And your flex so deep, sex so deep. You got it, girl, you got it. Hey. You got it, girl, you got it. Yeah. Pretty little thing, you got a bag and now you wildin'. You just took it off the line, no mileage. Bon les gars, s'il fait, ongle fait, je vous ai dit, si vous me voyez en mode, je suis en mode fracata boum boum, mettez cet emoji en commentaire. Les NUCTIRI, ça bouge pas, je mets tous ces coordonnées en barre d'informations, là regardez. En rien, hein. Et toute ma famille vient ici, c'est une dinguerie, même ma mère elle veut venir, wesh. Ren maintenant comme bon, elle est dans sa Lost. Ah ok d'accord. Ah ok d'accord. C'est pour moi, pourquoi tu regardes là pour elle. Bon du coup est fini. Ketia va nous rejoindre et après bon, on va rentrer à la maison. Mais regardez la bonne petite freine, je suis trop contente. Attendez parce que là, ma caméra parfois elle déconne. Ça fait trop longtemps, à chaque fois que vous avez des French, ils m'ont dévié. Là vraiment je suis partie sur une French basique, femme mature, les gars, j'ai changé. Voilà, avec mes cils. Là, je vais refaire mon... Je vais faire une retouche de mon micro shading, là. Et ça sera trop bien. Bon, les gars. Pardon. On a... Oula. Il fait moche, là. On a fini, du coup. Je t'ai dit que quand j'arrivais, il pleuvait de ouf. On a fini. T'es satisfaite? Non, je serai toujours, hein. Ouais, en fait, depuis qu'elle est dans sa love story, en fait, je suis pas love story, mais Reddit, wesh. Ah, t'es pas dans love story. N'importe quoi. T'es pas dans love story. Non, même pas à dire ça. Mmh. Oh, ma hein? chérie. Ma chérie. Mon amour. Mon affection, n'importe quoi. C'est beau ici. Hein. C'est très joli. Ah, c'est la même là, les appartements ici, t'as vu, c'est très beau. Je suis tellement heureuse. Ouais, au bon, franchement, 9,5, en plus, c'est pas très loin de la maison. Franchement, j'ai l'appartement là, là. Ouais, c'est super propre. Regarde, même là, ils ont construit. Je vais voir si c'est trop joli. Si je peux avoir n'importe comment ici, ce serait trop bien pour la gare. Ouais, en plus c'est juste là, la gare. Bon. C'est trop beau. Voilà, boulangerie, on va prendre un petit manger, un petit anka. Comment ça va m'habiter, mais il faut pas t'habiter. Mais on me voit. Est-ce que je filme les gens? Bon les gars, on fait un petit crash test. On a acheté. Ah, c'est attends, ça. Le tap, c'est de lave. Merci. C'est pas bon, je vais plus me cracher. Fais dans ce que t'as m'ajouté là. On a acheté des tartes à l'écureuil. Non. Les tartes écureuils, ils appellent ça. On a le temps, là. Regardez comment... Ça a l'air bon, en tout cas. Mais ça a l'air bien bourratif. Ça a l'air bon. Tiens. Oh, c'est cacaoni, là. À manteau, cacahuète. On dirait qu'elle est bien. Hein. Mm. C'est bon. Moi, je disais que cacahuète, c'est amande. Mm. C'est amande, tiens. Ça a l'air bon. Ça basse. Pour 4 euros, c'est beaucoup. Hein. 4,90€. C'est hyper cher. Pour 2 méfines et 2 écureuils et 1 capricorne, le capricorne, il coûte 1,50€. On est pour 18 balles. Lui, il est cher. Donc, mais c'est beau ici, mais c'est là. Mais j'ai kiffé, hein, par contre. Mais c'est très joli. J'ai jamais visité là-bas. C'est très joli. Ouais, c'est bon. Mmh. Un petit 7. Pas plus. Non, 6. Hmm? 6. Je trouve que c'est des cacahuètes, C'est des vraies cacahuètes. Tu vois? Les sons m'ont dit que c'était fini pour moi. Ah. Je raconte toujours en dire salut tout le monde. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. On continue le vlog. Aujourd'hui, on est le lendemain, on est samedi. Là, ce qui se passe, c'est que je dois aller parce que du coup, jeudi, j'y vais au ski. Je disais quoi, ouais. Jeudi prochain, je vais au ski. Donc, du coup, ce qui se passe, c'est que j'ai pas de après-ski en fait. J'ai pas d'après-ski de moonboot. Je voulais acheter des moonboots, mais 200 balles. Faut pas non plus abuser, ok. Je reste que 4 jours. Donc je vais pas dépenser 200 euros pour 4 jours. Maintenant je travaille avec Jamila, c'est Jamila qui m'aide. Faut savoir que Jamila du coup elle a son agence de com. Enfin de com. Oui, comme Jam, de communication, donc d'accompagnement d'influenceurs, etc., etc., etc. Donc du coup elle m'aide pour tout ce qui est planning, mes mails, etc.
Du coup, je travaille avec elle. Et là, du coup, elle va m'aider pour mon plus gros projet que je vais mettre en place l'année prochaine, si Dieu fait grâce. Du coup, on doit pitcher ça, voir plein de choses. De toute façon, je vais vous en parler quand je vais arriver chez elle. Mais j'aimerais bien arriver chez elle avant 17h. Mais je pense que ça va être un peu just. Ça va être un peu just parce que là, il est déjà 15h15. Le soleil, si tu veux bien me mettre, en plus là ma poêle est bien, donc si tu pouvais me capter. Cette caméra elle capte très très mal la lumière. Ça c'est un truc que j'ai remarqué, ça capte très très mal la lumière. Et pourquoi la musique c'est pas se mettre? Du coup ouais, là je vais aller à Intersport, Décathlon. Je prends mes moobs, Seigneur s'il te plaît, fait que je trouve des après-ski. Je sais qu'à Ninoana, à Intersport ils en font. Mais moi je veux des blanches, je veux pas des noires. Et il reste que des noires, donc s'il y a que des noires je prendrai les noires. Mais je veux vraiment des blanches en fait, pour mes outfits. Je veux des blanches. Je vous ferai montrer les noirs que j'ai à la maison. Mais là il me faut des blanches. Les gars, du coup je suis à Intersport. Il reste que ça. Il reste que pour les bébés, je crois que je vais commander sur internet hein. Il n'y a plus. Et je vais le voir à Décathlon. Mais là, en tout cas, il n'y a rien du tout. Intersport, c'est un échec. Chaque jour, je me rate. Parce que ça, mais c'est super bon. J'aime pas une paire jolie. Bon, ça, il est commandé sur internet. Hein. C'est trop vilain. Je vais commander sur internet tout de suite. Chop the roof and let the smoke clear. I got diamonds, 2 inches, slides in both ears. Dice falling on the Las Vegas strip tonight. Slip down. Salut tout le monde! Troisième jour du vlog. Franchement, là, depuis vendredi, je vlog tous les jours. Je suis arrivée finalement chez Jamila. Si je vous fais montrer ce qu'elle m'a fait à manger, vous allez dire quoi? Dingue! Non, arrête. Je t'ai dit, c'est des amuse-bouches. En attendant. Regardez. Waouh, c'est vraiment ouais. C'est pour te faire patienter, Bérédit. Aujourd'hui, on va manger. Après, on va taffer. C'est que ça le thème. Et après, moi, je dois rentrer parce que demain, j'ai école. C'est une dinguerie. Ils ont toujours pas réglé le problème. Même pas. Et carrément, ils m'envoient un mail pour que je passe en initiale. Ils disent, vous êtes des fous en fait. Pourquoi passer en initiale? Parce que, genre, il y a le délai qui est passé de l'alternance, je sais pas quoi. J'ai dit, mais attendez. Moi, ça fait je sais pas combien de temps je vous harcèle pour vous m'envoyer le contrat. Carrément, Kakao, il les a contactés et tout. Je sais pas ce qu'ils ont dit. Je sais même pas s'ils l'ont répondu. Nom, ville. D'accord. Ça, c'est quoi les questions? Ouais. Ok, nom, prénom. Ville, centre d'intérêt. Important. Poser des questions ludiques en mode une situation, qu'est-ce que tu ferais? Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai capté. Pas des questions genre direct. Oh, mais forcément. Ça, il faut que t'aies. Oui, non, ça c'est au début. C'est la base, on va dire. Mais des questions ouvertes. Exactement. Attends, pourquoi je dois me concentrer? Ok. Ok. Là, tu vas expliquer comment tu veux que ça se déroule. Bonjour les filles! Ok. C'est un projet excitant, voilà, chercher l'entreprise, passer 10 jours ensemble, 10 heures, 10 heures. Ok, le pitch est bien. Parce que moi j'ai peur qu'en réalité elle se sente. Même si t'as le même délire qu'elle. Après, je vais pas vous dire que je suis d'origine, mais je m'en fous. Bah si, c'est bien de savoir en vrai. Mais c'est trop stigmatisant. Non, c'est pas stigmatisant. C'est quand tu fais un quelle origine, bah c'est quand il y a pas. C'est quand tu fais un CV ou quand tu vas postuler dans un travail, etc. On va pas. Mais non, parce que regarde, t'es de quelle nationalité, c'est hyper important aussi, hein. Parce que s'ils sont oui, la nationalité, des voyages, la nationalité, ton passeport, n'importe. La nationalité, ton passeport, oui, mais ton origine, non. Parce que je peux être origine congolaise et pas avoir le passeport congolais, tu vois. Mais l'origine du passeport, oui, pour les voyages et pour savoir les types de papiers, etc. qu'il faudra. Par rapport à ton passeport, parce que certaines personnes font un visa. Les questions, je trouve qu'elles sont pertinentes. Budget, quel est votre budget moyen pour un voyage de 10 jours? Il faut préciser que c'est dans un pays hors Europe. Parce que budget moyen pour de 10 jours, tu me dis un pays Europe, je te dis 300-400 euros, mais tu me dis qu'on va overseas, je vais mettre plus, tu vois. Ok, vas-y. Donc il faut vraiment préciser. Ok. Seriez-vous intéressé par des options d'hébergement? Non. Non. Préférez-vous. Bon, les gars,
Finalement là, c'était même pas prévu qu'on fasse tout ça, mais on s'est chauffé. Il faut que je filme la vidéo du teasing de mon projet. Normalement, vous l'avez déjà vu sur Instagram. Sur Instagram et sur TikTok pour celles qui me suivent. Donc, là, ce qui va se passer, c'est que là, je vais maquiller avec les produits de Jamila. Dinguerie. Mais après, elle a des beaux produits, des bons produits. Mais, voilà quoi. Il faut que je fasse un truc bien propre. Pour Insta, on va bien teaser ça. On va bien faire ça. J'ai hâte que ce projet se fasse. C'est la première fois que je fais un projet qui vous implique. En vrai, dingue. Et c'est là qui va vous plaire. Normalement, ça devrait vous plaire. Vous connaissant, ça devrait vous plaire. Donc, je vais me maquiller. Mais rapidement, ils sont les propres, les sales, je sais pas. You say nothing's wrong at all, baby. I say that we're falling off, baby. Maybe we just ain't been on the same page. In my mind, I'm done fighting. In your heart, you keep trying. But the truth is I hide. Je me moquais que le produit de Jam, ça va, mon teint, il est potable. Il passe. Juste, j'ai des résidus ici. Mais normalement, quand je vais filmer, là, vous ne voyez pas. Ça va se voir. On est en train de faire le petit setup. T'as pris des boucles d'oreilles ? Non. Ah, c'est là-bas, ouais. T'as des grosses ou pas ? Jamila, c'est très minimaliste. Moi, le truc, c'est moi, tu regardes. Je sais pas comment on peut. Je suis trop contente. Tu vois, quand je fais quelque chose, je me sens. Ça fait du bien hein, d'avoir. Ça fait du bien, ouais. Dingue. Et genre, quand tu vas t'asseoir. Vous vous rendez pas de compte de ce qui va se passer. L'année prochaine, si Dieu nous fait grâce, ça va être dégâts. Bon, les gars. Avant de terminer la journée d'aujourd'hui, je vais vous annoncer le projet. Bon, si vous me suivez sur, suivez-moi sur Instagram déjà. Parce que ça, j'ai pas l'habitude de le dire. Mais comment ça me suivre sur Instagram, s'il vous plaît? Parce que. Suivez-moi sur Instagram en fait. Genre, je sais pas, c'est là-bas, c'est cool. Non, suivez-moi c'est sur Snap parce que sur Snap, c'est vrai, c'est plus cool que sur Instagram. Mais suivez-moi quand même sur Instagram. C'était trop dur ce que t'as dit. Mais bon, les gars, en tout cas, je vous annonce mon projet. J'organise mon premier gros girl trip avec vous, les gars. Dinguerie. Premier projet pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez très bien, je vous avais un peu teasé, je vous avais déjà sondé pour voir si vous étiez pour voir si vous étiez un peu partante et tout, et vous avez été vraiment beaucoup à réagir. Je m'y attendais pas que ce soit autant. Je savais que vous aimiez les Mary Kitchen et tout, mais je m'attendais pas que ce soit genre autant. Et donc du coup, ce qui se passe, c'est que là je suis en train d'organiser du coup le girl trip. La destination reste inconnue. Pour l'instant, il n'y a que les 10 personnes qui seront sélectionnées, qui seront la destination, encore une fois. J'ai créé un questionnaire avec plein de questions qui sera donc en barre d'infos. Si vous voulez participer à ce girl trip, je vous le mets, vous répondez aux questions tout simplement. En tout cas, j'ai trop hâte que ce projet se fasse. Vous connaissez ma passion pour le voyage, j'ai créé une série d'épisodes que sur ça. Parce que j'aime trop, franchement j'aime trop voyager et je sais qu'il y a plein de personnes qui partagent la même passion que moi mais qui n'ont pas forcément l'occasion de voyager ou qui n'ont pas forcément un groupe d'amis avec qui voyager. Donc là, pouvoir voyager avec des filles qui vous ressemblent, parce que je vais faire une sélection, croyez pas, parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont dire ouais il y aura des folles et tout, non, je vais faire une sélection, il y aura des entretiens, il y a le Google Form, il y aura plein d'étapes avant de pouvoir accéder au voyage en tout cas. Et vous inquiétez pas pour ça. Je serai très... Comment ça ? Indulgente. Non. Exigeante. Je serai très exigeante sur ça. Et puis voilà. Mais j'ai trop hâte. Je vous promets l'un. Du coup, bah, c'est ça le projet. On est en train de travailler sur ça avec Jamila. C'est celle qui m'aide comme Jam Agency. C'est celle qui m'aide en tout cas pour ce projet. Avec Bafodé, Mamie, tout. Bref, tout le monde m'aide. Mais vraiment, c'est vraiment Jamila avec qui je travaille à fond sur ce projet. Et j'ai trop hâte qu'il se concrétise. C'est qui ? C'est noté. J'espère que t'as pris la route. Hein. J'ai trop hâte qu'il se concrétise. J'ai trop hâte qu'il se fasse. Et voilà quoi. En tout cas, voilà le lien en barre d'informations. N'hésitez pas. Voilà. Du coup, là, je me suis maquillée avec le maquillage de Jamila. Franchement, ça passe. On a filmé le réel Insta. Vous allez déjà... Faut que je te l'envoie du coup. Ouais. Tu m'envoies les rushs. Ouais. C'est Jamila qui gère tout. dinguerie. Du coup, ouais, vous avez déjà vu le réel. Pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, suivez-moi sur Instagram encore une fois. Et ouais, donc du coup, on a fait la vidéo pour le réel. On a fini le questionnaire.
Et ouais, voilà. C'est tout. Là, il est 20h06. Demain, j'ai cours. Mon cousin vient me prendre. Mon cousin vient me prendre. J'ai dû un peu, hein, un peu la madou et tout pour qu'il vienne me prendre. Et ouais. Et donc, du coup, après, je vais rentrer, démaquiller, laver et dormir. Parce que demain, du coup, école. Et entre-temps, je dois enlever ça. Je viens me préparer pour le ski et tout. On goûte pas ça. Tu veux faire un crash test? On a acheté. Jamila, elle a acheté des gâteaux. Si je dis gâteau arabe, ça veut dire... Vous c'est maghrébin. Un gâteau maghrébin. Moi, le seul gâteau maghrébin que j'aime, c'est les camps de gazelle. Mais il n'y en avait pas. Tout le monde aime, je crois. Et bon, ça m'a l'air... Goûte un peu, tu me dis, attends, je te donne un couteau. Alors moi, je suis ta... Exactement, je suis moins versage. Ça lit pas partout, hein. Parce que toi, je te connais. Maladroite comme t'es, là. Ça c'est dur. Pardon, je peux pas critiquer. Tu vois, je peux même plus être naturelle dans mes vlogs, wesh. Wesh, c'est quoi? Mais là, pour la nourriture, je vais te faire attention à ce que je dis. Ah non, vous allez pas me traumatiser, hein. Là, les gâteaux sont durs. Mais comment ça va me traumatiser, en fait? C'est dire quoi, ça, dans mes vlogs, je pourrais plus être naturelle. Oh là là. Mais t'as pas de communauté maghrébine, donc je pense que bon, ils vont pas capter. Eh? Ouais, j'avoue, c'est compliqué, hein. Au lieu de dire dur, on dit compliqué. Mais c'est compliqué, hein. C'est très compliqué. Ça, je sais pas c'est quoi. Hein. Je crois qu'il y a, c'est à la date. Mais il y a que du miel, j'ai l'impression, dans tous les gâteaux, là. Ça, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Non, mais Reddy, dis pas ça, c'est quoi, comme et ça. Eh, pardon. Tu crois que quand il y a du miel... Ça, en fait, le problème, c'est qu'il y a que du miel. Non, je peux pas faire ça. Non, tu vas couper. Je vais les emmener à mes camarades, hein, à mes... Comment on appelle ça? C'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Mmh, du citron, on rentre dire. Avec. Parce que je sais que les filles, elles vont manger. Toi, tu remets le sang, c'est la poubelle. C'est pas la poubelle, mais c'est que sauf que... Moi, je vais vraiment le jeter, quoi. Rentre avec, les filles, elles vont manger. Non, ça, c'est pas mal. Je sais que les filles, elles vont manger. Beaucoup... Non, j'aime bien. Ah, non, je vais filmer, tu vas rentrer avec. Les filles, elles vont manger. Voilà. Même les jus, là, je sais déjà que je vais pas boire. Mmh. Ça va? Mmh. Non, c'est bon. On dirait que ça passe pas un peu. Comment tu fais? On dirait que tu fais un petit rouget. Non, c'est bon. C'est de l'amande en fait. Moi j'aime bien l'amande. Je crois que le long truc là c'est de l'amande aussi. Ça? Ça j'ai goûté ça au Maroc, j'ai fait. Le, comment on appelle ça? Comme si c'était ça là. On dirait, madame m'a dit que c'était de l'amande, de la pâte d'amande aussi, avec du miel encore. Ça c'est. Pardon, ça c'est pas bon miel. Ça. Ça c'est pas bon. T'aimes pas? Ça? Ce n'est pas ton goût. C'est pas mon goût. Ça c'est pas mon goût. Ça c'est très bon, ça j'aime bien. C'est beaucoup. Et c'est quoi dedans? C'est de l'amande. C'est la pâte d'amande en fait. Moi j'ai envie de goûter ça, mais je sais qu'il se dit il y a du miel et tout, j'aime pas. Non, c'est la pâte de miel ça. Si, il y a du miel. Hein? C'est de la pâte d'amande avec du miel. C'est du... Eh pardon. Allez. Je peux plus rien dire, je peux pas m'exprimer dans mon propre vlog. Mais c'est dingue. Ah non, vous allez pas me traumatiser. Hein. C'est mort. Non, ça c'est bon, mais ça... C'est trop sucré par contre. Là, je vais mettre dans une boîte. Ouais, donne aux filles. Hein. Ouais, et bon. Je suis morte. J'aimerais bien savoir. Les gars. C'est beaucoup. Les gars, du coup, on a mis en ligne le projet. Je vous dis, suivez-moi sur Instagram pour être à l'affût. Et là, je vois des gens, beaucoup de gens s'inscrire. On est un peu choqués avec Jamila, là. On est en mode, ah, ok. Ah, mais Méré, c'est chaud. On va gérer ça comment, en fait, du coup? Parce que nous, on avait mis ça comme ça, voilà. Mais ça fait beaucoup, et dis-toi, j'ai même pas encore mis l'annonce sur YouTube. Je n'ai même pas encore mis l'annonce sur YouTube. Tu vas poster ton vlog quand, dimanche? Dimanche. Et entre dimanche et le jour où on va fermer le formulaire, il y aura combien de jours? Parce ah ça, je sais pas. Mais... On va vite couper sinon, hein. On peut pas traiter 1000 candidatures par exemple. Dimanche, quand je vais poster le vlog... Là, tu vas poster le 24 et on va arrêter 1, 14, 15, 16,
17 jours après. Oh, Meredith, si ça commence à dépasser les 700, moi je coupe tout. Hein. Non, je te préviens. On a dit, y a pas... non, on a... arrête. C'est... On joue le jeu, on a dit, il n'y a pas de restriction de trucs. Il n'y a pas de restriction, on a dit. C'est beaucoup. 220, Meredith. On parle, ça arrive. On n'a pas le temps de fermer les yeux. Genre, c'est drôle. C'est une dinguerie. C'est une grâce. Non, et c'est ça, c'est bien. Grâce à vous. Et franchement, en fait, je vous... franchement, là, bon, on est sur YouTube. Je vous remercie de me faire autant confiance. Parce que je vous promets que vous me faites confiance, en fait. Genre, c'est une dinguerie de pouvoir dire, vas-y, je vais voyager avec Meredith, oui, et tout. Faut vraiment, tu vois, avoir confiance à la personne. Alors que, ah, on s'est même pas vu, on s'est jamais vu. Mais vous me faites confiance. Et c'est trop... franchement, non. Vous êtes une grâce, je le redis, je le répète. Vous êtes vraiment une grâce, la vérité. Faire confiance à une personne que vous avez jamais vue, juste parce que vous vous aimez son mood, vous voyez qu'elle voyageait et tout. Dingue. Non, merci. Dingue. Hein. Franchement, merci à eux. Et en plus, c'est... ils s'en rendent même pas compte que là, tu vas réaliser un de tes goals, genre. C'est pas comme si c'est un projet comme ça, c'est que derrière, c'est beaucoup plus loin. Genre, vraiment, rester à l'affût. Faut vraiment rester à l'affût pour comprendre, en fait, que c'est pas juste un girl's trip. Mm-hmm. Et moi, je suis trop fière, hein. La vérité, je suis fière de toi, je te jure, je suis trop contente. Genre, ça se voit vraiment que c'est un truc qui te passionne et qui vraiment, tu crois que c'est pas juste... pour ramasser l'argent des gens, ah, non, pas pour passer un bon temps et faire kiffer les gens surtout. Et c'est ça que j'aime. Et c'est pour ça que j'ai accepté aussi de travailler avec toi. Parce que je sais que c'est pas juste pour les caméras. Non, c'est parce que tu sais que derrière, il y a des vrais humains que t'as envie de faire kiffer et qui te font confiance, comme tu dis. Genre, 223 personnes. Moi, je coupe tout. 200 combien? Ouais, c'est bon. C'était je ferme les yeux, il y a des gens qui montent. Non, c'est bon. Je veux plus. En fait, je retire tout ce que j'ai dit. Voilà, c'est tout. Ouais, c'est un mec qui a commenté mon truc. Oh. Il a dit quoi? Tu as toujours prôné l'amour et la cohésion par ta phrase introductive. Là, mais aujourd'hui, tu marginalises les garçons dans ton projet. On te soutient tous pour toi. Mais les gars, wesh, arrêtez. Non, mais dis-lui qu'il reste seulement à l'affût. Il y aura aussi des boss trips. Il y aura aussi des boss trips. Il y aura. Mais je me vois pas faire des voyages mixtes. Non. Ça, c'est des trucs. Après, il y a des love toys, des machins, des... Non, on n'est pas tout le temps Meredith. Après, quelqu'un va dire, oh, je suis tombée enceinte au truc de Meredith. On n'est pas dans ça, en fait. Non. Jamais. Non, on va mais pas je peux comprendre. Mais je peux comprendre, mais... Oui. Mais t'en auras plein, des phrases comme ça. Il y a une fille qui a répondu, c'est une première, si tout se passe bien à l'avenir, peut-être elle envisagera un voyage mixte. Mais pour un début, c'est compliqué. Je pense que rien que plus... Je pense que rien que plus, par exemple, les logements, il se peut que ce soit des chambres partagées, inclure deux hommes dans une chambre qui, à premier abord, ne connaît pas exactement. C'est dans la vidéo que tu dois faire là. De toute façon, je vais te faire une petite trame. Bien expliquer que, les gars, si y a, ça fonctionne, vous vous inquiétez pas, je vous réserve des choses beaucoup plus lourdes que ce que vous voyez là. N'oubliez pas de mettre un commentaire. Bye. Ouais, je vais répondre tout à l'heure. Yes. Vas-y. Bon, les gars, je sais même pas quoi dire, la vérité, je sais pas quoi dire, genre juste, merci de me faire confiance, la vérité, merci de me faire confiance, et j'espère vraiment que ce projet va aller à terme, et que toutes les idées, que tout, ce que je veux faire, et que tout ce que je veux faire arrivera à son terme, etc., j'ai tellement d'idées pour ce truc. C'est une dinguerie. Donc là, je viens de rentrer, je vais aller prendre ma douche, je vais aller répondre à vos commentaires et je vais dormir parce que je suis fatiguée. Et ouais. Hello tout le monde. Enfin, vous avez tous et toutes très bien, on continue le vlog. Hier j'ai vlogué. Aujourd'hui je vais aller à l'école mais je peux pas. Enfin, je devrais, mais je peux pas parce que j'ai trop de choses à faire. Et comme je pars au ski jeudi, si je prends pas une journée... ça ne se fera pas. Donc du coup, je ne suis pas partie à l'école, mais je partirai demain. Parce que demain, j'ai des contrôles et tout. Sinon, j'ai reçu mes après-ski. Je voulais d'abord des après-ski. Je voulais de base prendre des moon boots, mais les moon boots, 200 balles pour 4 jours. Il ne faut pas non plus abuser. Il faut connaître dans la vie, faut connaître ses priorités. Il faut connaître quand tu peux, quand tu ne peux pas. Je ne vais pas mettre 200 euros pour une paire que je ne veux mettre qu'une seule fois. Vous voyez un peu. J'ai commandé un express. Donc j'ai commandé ça samedi pour les mardis aujourd'hui. J'espère qu'elles sont fraîches. J'ai peur. Ils ont même pas un peu. Elles sont belles. Mais ils ont même pas un peu.
Je sais pas, mis du papier bulle. Elles sont cute. Elles sont jolies. Oh, ah ouais, elles sont belles. Elles sont vraiment très très jolies. On est d'accord. À la place de 150 et quelques, je disais il y a 57 euros. Franchement, elles sont cute. Elles sont vraiment pas mal. J'aime beaucoup. Franchement, j'aime bien. C'est quoi? C'est de la fourrure. Je sais pas si c'est de la fourrure. C'est de quoi? Beige comme ça. Celles-là, je peux les garder. Hein. Franchement, je peux les garder. Je suis contente. Je suis contente. Très jolie. Bon, le programme du jour. Parce que du coup, Jamila m'a fait un programme qu'il faut que je suive. Programme du jour. Quoi? Je savais même pas qu'on pouvait programmer des shorts sur YouTube. Je vais voir ça. Je dois poster le short sur YouTube. Le short annonçant le girl trip. Je dois filmer la vidéo plus explicative, plus en détail de l'American. Et je dois programmer les réels pour mercredi. Moi aussi, on voyait la trame de la vidéo. Bref. Du coup, là, je vais faire ça. Je dois d'abord ranger ma chambre parce que c'est le bordel. J'en ai marre de cette chambre. J'en ai marre de cette chambre. Mais je dois la ranger. Après, je vais me préparer pour filmer. Bon, les gars, on est quelques heures plus tard. On est même très tard plus tard. J'ai commencé à filmer tard. Il est 21h39. Ça me saoule. Mais bon, c'est pas grave. Au moins, j'ai fait ce que j'avais à faire. Là, il me reste à faire quoi? Il me reste à aller au garage prendre ma valise. J'ai reçu un colis également de chez Pelletier que je dois aller récupérer. Donc, je prends mon colis, je prends la valise, je fais ma valise. J'enlève mon tissage. Je lave mes cheveux. Et je commence à faire le montage. Je crois que le montage, je vais faire demain dans le train. Ouais, demain matin dans le train, je vais un peu commencer. Mais juste transférer en tout cas les vidéos sur mon iPad. Ouais. Je suis trop fatiguée. Je suis trop fatiguée. Bon les gars, là je suis à l'école. J'en profite parce que tout le monde est sorti. Je sais. Je suis trop fatiguée. Sachant que là, la journée d'aujourd'hui, elle est remplie de ouf. Je dois laver mes yeux, je dois faire ma valise. Je dois rentrer chez moi. Donc je vais quitter un peu plus tôt les cours, je pense. Comme ça, voilà. Hier, du coup, j'enlevais mes cheveux. Je vous ai même pas fait montrer. J'enlevais mes cheveux, je suis sortie comme ça. Il y avait tellement de colle avec le truc là dans mes cheveux. Mais bon, ça c'est parti vite avec, avec l'huile. Du coup, là voilà. Là, on a cours de KPI. Classe. Là, on est en amphithéâtre. C'est chaud. C'est chaud. Les gars, je suis KO. Vous savez c'est quoi être KO? Je suis fatiguée. Je suis rentrée de l'école, j'ai quitté plus tôt. Je suis arrivée, j'ai pris directement la voiture. Je suis partie à Action pour acheter du shampoing violet, acheter du shampoing pour mes cheveux, acheter du spray, des masques, des nini banini. Bah, attendez, je vais vous faire le... Bah, j'ai tout pris chez Action. Une petite paire de... un pas comme ça, de boucles d'oreilles comme ça, parce que j'aime trop les petites boules. Ah, c'est les boucles d'oreilles que je mets tout le temps, les grosses boucles d'oreilles, grosses, énormes dorées là. Je mets ça que dans les occasions où vas-y, quand je suis apprêtée, mais de tous les jours, pour avoir des petites boucles d'oreilles de tous les jours. Des petites boules comme ça, je les prends chez Action, ça coûte moins de 1€, 1,70€, c'est quoi? Ça c'est top. J'ai pris un shampoing. Alors là franchement ne faites pas ce que j'ai fait. J'ai pris le premier shampoing que j'ai vu parce que j'avais la flemme. Enfin non, c'est pas que j'ai la flemme, c'est que Femme 2010 là, le magasin Afro où j'achète mes shampoings pour mes cheveux était fermé. Donc à Action j'ai pris voilà un petit shampoing comme ça. Ils ont écrit Silky Shine Effect Shampoo. Shampoing shampoing à l'aloe vera. Dieu merci, j'avais vraiment la flemme de partir jusqu'à Auchan pour trouver un shampoing violet. Donc j'en ai trouvé un chez Action. Voilà, c'est un shampoing violet tout simple. Il m'a coûté quoi 2€. Ouais, 1,99€. Et franchement, ça, comme je veux vraiment être Elsa. Vous voyez Elsa? La reine des neiges, je veux que ce soit moi en fait. Donc je veux un blond blanc. Donc je vais à mort la laver avec du shampoing violet pour que ce soit vraiment blanc.
Je sais pas si tu captes un peu la DA. Et donc, du coup, il faut mettre ça, tout simplement du shampoing violet. Donc, celui-là, il coûte 1,99€ chez Ninoana. Chez Action, il n'y a pas de shampoing violet spécifique. Hein. Tout shampoing violet, c'est le taf. Hello, je vous reprends. Purée, je suis blonde. Vous avez raté trop d'étapes. J'ai lavé mes cheveux, j'ai fait mes nattes, j'ai posé ma pépée. Le shampoing violet, il a bien pris. Donc, je suis contente. J'ai fait ma valise aussi. Les valises d'hiver, c'est impressionnant comment c'est... Genre, il n'y a pas beaucoup de choses, mais comme c'est gros, bah ça prend toute la place. Donc là, du coup, demain, c'est le grand départ. Là, il est 1h04. Je dois me préparer. Fermer la valise. Il n'y a que, en fait, il manque mon col roulé. T'as pas vu mon col roulé noir? Kitia, elle dort, là. Comme je suis un peu fatiguée, je vous explique, la musique va être très très bien. Oh non, non, non. C'est le début du voyage. Du coup, là, je vous explique. Je ne sais pas dire bonjour. Salut les filles, salut les garçons. Salut les entre-deux. On se retrouve dans un nouveau vlog. C'est mon vlog du ski. Girls trip au ski. On est 7 filles. On va au ski. C'est la première fois que tu vas au ski? C'est la première fois de ma vie. Oh, t'as pas fait la classe de neige? Jamais. Ah ouais? J'ai fait classe de mer. Ok. Moi, j'ai déjà fait la classe de neige, mais en SAM2. On va chercher. Ouais. Au SAM. Quand j'étais en SAM2. Mais là, du coup. Mandarine, tu me cherches! Tu me cherches déjà! Je vais pas te lâcher. C'est vrai, je sais que ça va être n'importe quoi. On a récupéré une vanne. Et là, du coup. On va aller chercher Shania, je vous donnerai les coordonnées du van, etc. parce que je vous connais. Shania, elle est dans ce bazar. Ah bah, il y a maman. Ouais. Je disais, là, le voyage va commencer. On est dans la bonne humeur. Amen. Malgré la fatigue, malgré les malgrés, tous à caca. Ton gros baby, ça. Ton gros papa. Voilà. Je veux que vous soyez énergique pendant ces 4 jours. Parce que du 1er jusqu'à le 30, on travaille. Comme ça. Alors, on mérite de vivre un voyage vraiment de voyage. Oh. Amen. J'attends Shania pour la prière. Mm. Est-ce que tu peux lancer l'instru? Je vais boire un peu. Les gars, on vient d'arriver. Catastrophe. Genre, c'est. Catastrophe. La... Les gars, on est arrivé dans la salle de bain, dans les chiottes. Margot, t'as vu quoi? Coupe. Coupe, mon con, la monie. Il y avait du caca. Non, mais parle en français, il y avait du le caca. De tout le caca que j'ai vu, j'ai jamais vu ça de ma vie. Même trace de pelé, j'ai jamais vu ça. Il y avait du caca dans les chiottes. Moi, j'ai dit des choses à vous de nous dire. Le Airbnb, il est dégueulasse. Enfin, quand tu vois comme ça, tu dis ouais, c'est beau parce qu'on soit c'est beau. Mais c'est sale. C'est sale. Genre, c'est sale de malade. La vérité, j'ai jamais vu ça de ma vie. La vaisselle, le où on fait à manger. Il n'y a rien qui est propre. En fait, j'ai l'impression que les gens qui étaient là avant, ils sont repartis après longtemps. Ils n'ont pas nettoyé. Les draps, les gars. Les draps. Dinguerie. Donc là, je sais pas ce qui se passe. On essaie de trouver une solution. Même ma soeur là, j'ai peur. So actually, what's the point? I move every day against me. What did they say? So it's on me. I can just
disagree and cancel and you get a refund or we find a solution somehow. Hmm? Soit on se fait rembourser, soit on trouve... Mais est-ce que le remboursement est instantané? In the case, the housekeeping was not nicely done, but... I don't think that there was a housekeeping. I think it's in the morning. Look at the oven, but she's crazy. Or you're lying, I don't know. I'm nah, sorry. She's just... useless. Même son adjoint, on a une nouvelle. Même Thérèse est venue nous le ménage. So basically, we need to not gonna get her in today. Mm-hmm. I can try to get someone tomorrow, and they can give you a partial refund. Okay. That's what I can offer. Or we cancel the whole booking, and you search another place, and you get the 100% refund of this 1700 something euro, mm-hmm. and you find another place. Les vacances de l'enfer, ouais. Moi j'ai dit je ne bouge pas d'ici, c'est la police qui va venir me chercher. Quoi? Tu ne m'as pas remboursé, je ne bouge pas. Vous êtes malade. Vous êtes malade. No, I cannot, because after checking, I cannot cancel on the application. I need to do it with a call. They don't answer. The case is open. Mary, donne-moi, je les appelle. And they gave it to the next thing. I have it on the chat. You can see it in English. Don't film me. You can't cancel. No, that's good. Film me. All I do in my house, I film whatever I want. No, you can't film me. No, it is my phone. On s'en fout. On a rien mal. Yeah, it's my house. So go out. Okay. It's quite easy. Okay. Oui, Tranquille, mais si, ici c'est Zapo, on a dit. Okay. Je suis... I don't have time. Oh, ok. Elle a, on fait quoi nous? Depuis quand on attend? Jo, c'est bon. Ça y est. C'est bon. Go out of my house, please. You say you will call the police. You can wait there. Non, Jo, c'est bon. Can you? Yeah, so please, we just need to. Il est encore en train de raconter sa Zumba là-bas, là. 16 km. Il a 28 minutes. Hein. Ah ouais, 30 minutes. On n'est plus à sa prière. Du coup, on a trouvé une solution grâce à Coco et Janol, dédicace, que Dieu vous bénisse. Et du coup, le seul problème là, c'est que. On n'a pas. En fait, il n'a pas annulé et on allait partir. Sauf que du coup, s'il n'allume pas et qu'on part. Il y a moyen, en fait, on ne retrouve pas nos sous parce qu'après, il invente ce qu'il veut, en fait. Bref, donc, là, j'ai dit, on ne bouge pas d'ici. On ne bouge pas. Tant que je n'ai pas l'annulation, je n'ai pas la confirmation et qu'on va être remboursé, c'est mort. Donc voilà, 22h, on arrive à 19h30, c'est bien. Merci pour tout. Ça fait comme voilà, il est au téléphone avec la police. Alors, ce sujet qu'il annule. Comme on est menaçante. On est tant menaçante qu'il appelle la police. Et là, du coup. Voilà, donc nous voici. Nous voilà. Il a dit qu'il allait appeler la police, on attend. Tu es prête à te battre? Le mail de confirmation, comme quand tu ne m'as pas dit. Non, faut me dire. Voilà. Nous voici ici. De toute façon, j'avais dit, moi ici, c'est Zapo, donc il fallait s'y attendre. Ça, tu es dépassé. C'est comme ça, en fait, ça te dégoûte de voyager, en fait. Ça te dégoûte de tout. Fatigué, ouais, franchement. Et il nous a. Mais tranquille. Non, tranquille. Dieu est avec nous. Donc là, on a quitté l'Airbnb sans trace d'annulation. Mais bon, les dossiers, ils sont ouverts, etc. On a juste envoyé les preuves. Il y a deux chambres en bas. On a changé d'Airbnb. Regardez comment c'est propre. C'est une dinguerie. C'est propre, les gars. C'est propre. C'est propre. C'est propre. Mais oui, mais le jacuzzi, il est où? En bas, dehors. En dehors. Le jacuzzi, c'est toujours en extérieur. Elle nous a mis des chocolats. Sérieux? Mais oui. Trop mignon. Not that I don't want you here. It's something about the way you stare into my eyes. I know that I don't make things clear.
I fall for you every time I try to resist. You can get away. I'm just beach feel feeling every day. All I wanna hear is an episode that we play. Salut. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Hier, je vous ai laissé. Je vous ai même pas expliqué la situation en vrai, ce qui s'est passé. Mais hier, vraiment, j'ai cru que j'étais dans un rêve. Je vous promets, j'ai cru que je rêvais. Je me disais, c'est pas possible. Genre, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas possible. La vérité, c'est une dinguerie. En gros, on arrive dans le Airbnb. À première vue, on voit le Airbnb, il est propre. On voit qu'il est beau. On se dit, waouh, trop bien. Franchement, on a fait un bon choix, Itsu. Franchement, on a fait un bon choix. C'est propre, c'est grand. On avait une vue de ouf et tout. Franchement, on se dit, pas mal. Les gars, on descend. Déjà, en descendant, moi, je vois le lit, il est pas fait. Je vois, enfin, c'est fait, mais vous voyez, c'est pas propre, c'est même pas repassé et tout. On se dit, bon, ok, c'est pas grave. Si le lit, il est pas repassé, si les draps, ils sont pas repassés, mais que c'est propre, tranquille, c'est pas grave, ça va. Mais plus tu t'avances, plus tu vois, comme s'il y avait des bêtes, il y avait des cheveux, il y avait plein de trucs sur le lit, tu dis, mais attends. Margot, elle va dans la salle de bain, il y a les toilettes. Appelons inconnu. Qui m'appelle beaucoup comme ça, non? Margot, elle va aux toilettes. Elle voit une trace de pneus. Les gars, elle voit une trace de pneus. Et c'est à partir de ces traces de pneus qu'on s'est dit, bon, on va commencer à regarder. On a regardé le lit. Le Ninoana. La poubelle, elle est encore remplie. Le lave-vaisselle, il était même pas tourné. Les verres étaient sales. La cuisinière était dégueulasse. On s'est dit, mais attends, là on vient de tomber dans quel Airbnb au final en fait, tu vois. Bon, je suis prête. J'aime bien mon petit make-up. Franchement, côté make-up, je commence un peu à improve, donc je suis fière de moi. Petite pépé blonde, par contre, la pépé, elle est bien. Mais les pépés blondes sont bien, mais. Est-ce que celle-ci 613 RO R? 613 RO R? Ouais. Ça, c'est du RO R, ça? Non, mais est-ce que ça existe? Ah ouais, je sais pas. Bref. Là, je vais aller m'habiller, je vais faire le petit gâteau du 8mi. Et that's all. Là, je suis prête. Là, on va juste faire une balade, mais je vous avais dit, on va aller faire du ski. J'ai pas trop compris, mais je suis contente parce que Maza m'a fait mes photos. Maza l'a juré. Outfit of the day. All PLT et mes après-ski viennent de chez Zalando. Vous les avez déjà vus. J'ai mis une petite. T'as capté? Je sais pas comment on appelle ça. Et ouais. Et je vais aller charger mon téléphone entre temps. Mais là, du coup, voilà, je suis prête. Là, je dois poster mes photos dans 20 minutes. Franchement, j'ai été très efficace. I am happy. Je suis contente. Voilà. Voilà. Ah, c'est bien ça. C'est ça pour qui? Je La lumière, elle est dégueulasse. Je suis désolée. Il est actuellement 19h13. On devait sortir à 17h30. Là, on va juste faire une randonnée. Franchement, je suis vraiment fou là. Fou. White. With my MG bag. En beige aussi. Franchement, j'aime bien. J'ai ramené aussi mon. Eh, Jesus. J'ai ramené aussi mon diesel. Peut-être que demain, je ferai un autre avec mon diesel, je pense. All black. Par contre, dans
Il n'y a pas de miroir plein pied ici, hein. Non. Ça, c'est un truc que j'avais remarqué. Ça, vous avez été sur la vélo. Parce que le froid. Non. Je suis vraiment dans le thème beige, là. Non, j'ai capté. J'ai capté le thème. Ah, même le look, il aurait pu bien donner, hein. Quoi? Si. Bah, si. Oh, tu te calmes, hein. Migo, qui prend un sac là? Moi j'ai mon sac, moi. Bah mets ta brosse, mets la brosse en bas. Oui, mais c'est ça. Mais elle est pas trop grosse. Vous avez tout éteint dehors, en haut? La 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 la. Ah oui, c'est le vestiaire. Ouais, je me dis c'est pas en ça. Purée, il fait nul. Posez là. Prends la caméra, c'est pas juste pour la lumière, vous faites. J'ai ma lumière, j'ai. T'as? Oui. Ok. J'ai oh, je l'a. With my best friend, Masco, Mary, my girl. On y va. Mais là, quand on croise Edouard Cullen, là. Oh. C'est qui? Trop bien. Oh, mais Edouard, si vous avez la ref en commentaire, dites à votre Edouard les toilettes. YouTube Fuel. Twilight. Twilight. Ah, mais Edouard, je regarde pas Twilight. Edouard quoi. Et toilettes. J'ai entendu Twilight et toilettes. Voilà. Bon, les gars, on a marché dans Chamonix là. On s'est posé dans. C'est quoi, comment ça s'appelle? La On se loue jamais comme ça. La poutinière. Merci. Excuse-moi. Merci. Si y en a qui donnent des conseils. Ouais. C'est posé à la point quoi? La potinière. Ouais. Potinière. Bah, c'est comme du shampoing. On va un peu manger vite fait. On va pas trop manger parce que. Ah, il a une brune non. Et je prends une pierre. Parce que moi, je bois que du doux. Comme on est à Badou. Oui. Ouais, mais c'est hyper fort. Mais les gars, on est les seuls Renois ici. C'est une dinguerie. En fait, prendre un choc, ça grume. C'est une dinguerie. Qui de nous deux? Vas-y. Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va... tu passes beaucoup dans ta story publique là, j'ai vu. Franchement, ouais, bah... C'est bon, elle a décidé de choisir. Je mettrai sur Snapchat. Oula, c'est gâté. Allez. Après, tout le monde va aller me demander les rêves de Meredith. Mon sac. Oh non. Oh non. Oh non, ça va, ça s'enlève. Il faut... Qui de nous deux est la plus... conne? Oh, waouh. Waouh. Eh ben... conne, c'est-à-dire vraiment la débile, mais pas débile méchant, genre. Ah bah c'est... un peu idiote. C'est, ah, c'est Chania, parce qu'elle danse pour rien. Ouais. Elle empête comme ça, on va te faire coup de marteau, gagne. J'avoue. Elle a des pulsions. Mmh. Ouais. Qui de nous deux... Quoi? Moi, qui de vous deux... Oula, c'est moi. Dort le plus. C'est moi. Oula. Mais est-ce qu'il y a... Dites caca. C'est des dingueries. C'est une dinguerie en fait. Carrément, elle a dormi dans tout le van, tout le long. Et puis la tête de la première, elle s'est couchée le soir. Après, c'est parce qu'elle était, elle avait mal à la tête. J'ai mal à la tête hier. Ma tête est malade. Bonjour. Hi. I'm a London girl, so I will speak only English today. Today. Quand il fallait parler avec l'autre hier, on t'entendait pas. Il y avait les émotions, je pouvais pas. De ouf. Moi, c'est quand c'est des. C'est moi sortir des. Alors, vous avez choisi. Oui. Tout noir, genre. Et capable. Oui. Je suis. Mais le rabat. Non. Qui de vous deux est capable de finir en garde à vue? Ah. Ça se tape, hein. Ça se tape. Tout est tombé dans la main. Non, mais qui est susceptible? Non, ouais, nous deux, je sais pas. Ouais, nous deux, vraiment. Hein. Mmh. Mais vraiment, à choisir. De nous proposer de moi, je veux ouvrir. Hein. Moi, j'aime bien les bouffes. Hein. Oui, en fait, mais après, moi, je n'aime pas trop les foutaises. Ouais, mais j'aime bien temporiser les situations. Moi j'aime pas les... Marco hier elle a fini, j'ai vu en partant, j'ai regardé avec le mec d'un coup. Non, c'est faux. À tout un moment j'étais Marco. Non, parce qu'il m'a l'air pour me dire les noirs. Non, il me fait on veut régler le truc. Fallait quand moi je voulais qu'il s'embrouille tout seul, genre qu'il s'énerve tout seul. Quand il est passé sur la bière là, moi j'avais trop peur. Marco elle a bondi, elle pensait qu'il avait un couteau dans la main. Non, on va skier. 9h17. Qui de vous deux? Ah bah oui. C'est ça, on mange la tête en plus. Ah mais non, et non. Ça se tape. Non, et bah ça se tape. Ça se tape parce qu'on s'est calmé, je trouve. Oui. On s'est énormément calmé. Mais tu t'es devenu on est devenu humble. On est devenu humble. Mais si on. Mais dès que l'argent rentre, on ne sera plus. Ah humble. Oui, là, mais dès que l'argent rentre, je suis plus humble. C'est minuit que ça tombe. Ah oui. Mais si ça tombe à minuit, je suis plus humble. De quoi payer à minuit, monsieur? Ça vous va? Non, mais en vrai, c'est hyper. Ne sais pas garder un secret. Alors pour le coup, ok. Enfin.
Non, toutes les dents, bah, c'est gardé des secrets. En fait, on se les raconte entre nous. Ouais. Et on sait que ça va pas sortir. Et on sait que ça va pas sortir. Donc. Bah, mais qui peut les dire pour qu'on aille au concours. La chorégraphe. Ah là! Tcha, tcha, yi! Tcha, tcha, yi! On voit bien? Ouais. Il est quelle heure, s'il vous plaît? 9h. Il est 9h pile? 8h59. Ah, 8h59. Là, on va à Intersport récupérer les équipements de ski. Parce que logiquement, on va pas. On va juste, on va pas acheter. Et après, on va à la station de ski. La saison de ski, elle a combien de temps d'ici, s'il vous plaît? 16 minutes? 7. Et je suis fatiguée. Mais Margot s'est réveillée. Tu sais, je me suis réveillée, j'ai vu, il était 7h50, je crois. Non, 30 et quelques. J'ai fait wesh. Ouais. Et les filles, sont réveillées depuis 6h du matin. Ouais. On va essayer nos pieds. Mesurer nos pieds. Comment c'est bas de faire les manches. T'as bien desserré. Ben non. Ici, t'as pas desserré, ma petite. Les dernières, c'est moi. La dernière, c'est moi. Moi, 44, moi. Ouais, alors attention. Ça te prend un peu gros temps. Les aqua ici. Putain, j'allais faire un réel. Du coup, j'ai mis seulement. Demain, devant, là-bas. Et après. Non. Et après, je fais quoi? Appuie. Ah wesh. Non, les gars. Non, wesh. Ça mets tout en chasse-neige. J'ai peur. T'as mal? Ah, ben. Wesh. Il y a tout le temps pour ta glisse. Attendez. Non. Non. Ah, non. Ah, non. Non. I'm outside in an AMG, right outside, TT, two turn baby girl, you know me, still with the dolls that I grew beside, all the niggas around me, right in the dark, gotta watch the time cause it's flying right by, I'm outside in an AMG, right outside, TT, two turn baby girl, you know me. Who am I? All the niggas around me, tired of it dying. Gotta watch the time, cause it's flying right by. Two-turn, baby girl, you know me. I just caught a shorty off a fence, star. Just the one on hoodie, it's a print shot. Cola la caca na bambou. Les enfants, évidemment, on pouvait pas passer à côté de ça. Dans cette vidéo, on tenait aussi à remercier énormément Locavan pour le van qu'on a pu prendre chez eux. Je vous montre ça tout de suite. C'est un bon petit van, bien vite rodé, bien 9 places. Bon, je vous montre pas l'intérieur pour l'instant parce qu'il y a nos affaires du coup.
Mais franchement, un van, on a fait Paris, Chamonix avec. Nickel, pas de problème sur la route. Le service de Locavan, franchement, incroyable, rien à dire. C'est très simple pour la location, franchement, vous pouvez les contacter sur Insta, sur leur site internet. Il n'y a pas de problème pour le kilométrage, kilométrage illimité. Et les prix sont vraiment abordables, franchement. N'hésitez pas à prendre des locations chez eux, ils font beaucoup de locations de vannes. Tout type de vannes, tout type de places. Donc franchement, on les remercie énormément pour le van qu'ils nous ont passé là pour le séjour. Oui, je sais, j'ai encore mal terminé ce vlog, mais désolée, merci beaucoup. On se retrouve dimanche dans une prochaine vidéo.